Bonjour, c'est Gabriel Oléco. C'est un réel plaisir de te retrouver aujourd'hui pour méditer ensemble la pensée biblique de ce jour. J'espère que tu vas bien. Lisons Jean chapitre 15, versets 9 à 11. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Notre texte d'aujourd'hui nous interpelle sur un ordre du Seigneur lui-même, demeurer dans mon amour. Mais comment y parvenir? La réponse que je propose aujourd'hui se trouve dans la prière faite par Saint Richard, évêque de Chichester en Angleterre. Rédempteur miséricordieux, ami et frère, aide-nous à te connaître plus clairement, à t'aimer plus tendrement, à te suivre plus fidèlement pour ta gloire. C'est un appel lancé aux disciples à aimer son Dieu totalement. Il s'agit de mettre à contribution tout notre être avec son intelligence, ses sentiments et sa volonté. Revenons aux éléments de la prière de Saint Richard. Te connaître plus clairement. Comme l'a si bien rappelé l'apôtre Paul, nous connaîtrons Dieu clairement que dans la mesure où nous grandissons dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette connaissance est mesurable, d'après les paroles de Paul, à travers un esprit de sagesse et de révélation de qui est Dieu, de manière que les yeux de nos cœurs soient illuminés. C'est alors que nous expérimenterons l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cela nous rappelle que le christianisme n'est pas une religion, mais une relation de l'homme avec Dieu. Voici les deux ingrédients qui nous permettent de connaître Dieu plus clairement. C'est le temps et l'obéissance. Rappelons qu'il faut du temps pour nouer et cultiver une relation, et l'obéissance, quant à elle, est la réponse adéquate à la communion à laquelle nous sommes invités. T'aimer plus tendrement. C'est Dieu qui nous a aimés le premier, et la meilleure façon de répondre à cet amour, c'est de l'aimer en retour. C'est inconditionnellement que Dieu nous aime. Chacun peut l'attester. En vérité, l'amour de Dieu nous dépasse. Imagine la personne que tu étais au moment où la grâce de Dieu s'est révélée à toi. Il n'y avait rien de bon en toi qui a pu pousser Dieu à aimer une personne comme toi. Mais voilà que malgré tes imperfections, le Seigneur t'a aimé, il t'a choisi, il t'a pardonné. C'est ce que dit l'apôtre Jean. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Te suivre plus fidèlement. À notre époque des réseaux sociaux, nous avons tellement de gens que nous suivons, dont certaines avec beaucoup de fidélité. Il suffit qu'ils écrivent ou publient quelque chose que, dans la minute qui suit, nous envoyons un like ou un commentaire. Qu'en est-il des dieux? Comment le suivons-nous? Et est-ce que nous le suivons réellement? Pour demeurer dans l'amour du Seigneur, nous devons le suivre. La bonne nouvelle pour celui ou celle qui suit le Seigneur est qu'il ou elle peut se confier en lui, à ses promesses et à ses recommandations. Pour suivre le Seigneur, cela demande l'obéissance, et l'obéissance, quant à elle, exige des efforts de notre part. Ainsi donc, les trois éléments de la prière de Saint Richard apportent une précieuse aide à celui qui veut demeurer dans l'amour du Seigneur en suivant ce protocole proposé, à savoir connaître Dieu plus clairement, l'aimer plus tendrement et le suivre plus fidèlement. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.